toi dans l'esprit. Et puis voilà. Tout ça, c'est le courrier qu'on a reçu aujourd'hui. CAF, amende, logement social, divers départements, impôts, par exemple. Alors, ma mission consiste à écrire les numéros des domiciliés pour les lettres qui ont un numéro. Et là, ce sont les lettres dont le libellé n'est pas correct. Donc il faudra que je recherche sur l'ordinateur avec Jean-Pierre les numéros, les inscrire au-dessus pour qu'on puisse les classer ensuite. Vous avez un logement, monsieur ? Vous avez un logement ? Ouais. Vous pouvez chez avec les gens et tout. Vous pouvez venir, monsieur. Merde, vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Alors, si vous pouvez juste s'installer là-bas, et le monsieur il va s'installer là. Je vais faire ça, ne t'inquiète pas. Pardon. J'ai pris. C'est moi qui lui ai dit. Ah oui, s'il te plaît. Oui, j'ai besoin de lui parce que c'est lui. Voilà, le traducteur. Lui, parce que c'est ça. Voilà. Vous pouvez me l'envoyer, c'est bon ? Non. Alors, je peux le faire ? Tu t'occupes de combien de personnes ? Attends, c'est le traducteur et la personne là, c'est Isabelle qui l'a ramené. Bien. Je suis bloquée. Je suis bloquée sur la page de créer un compte, mais je n'arrive pas à accéder. Pour renforcer la demande, je n'arrive pas à renforcer la demande. Je crée ma demande, il me fait ça, je commence ma saisie, je mets 92, il met sur un tel choix. Ça y est, 82, 7, parfait. Numéro 2 commande. J'ai pas besoin de vérifier, moi je me fais de faire la demande. J'arrive pas. Créer ma demande, gérer ma demande, j'ai pas. C'est ça, ça m'a jamais arrivé ça. Remplir le formulaire en ligne. Là, il n'y a pas poursuivre. Sécurité sociale, c'est bon. Oui, j'ai vérifié le lien. Il a reçu un email. Il a reçu un email. Il va monter. Mais c'est pour création de compte. On l'a créé, mais j'arrive pas à accéder. Toute première demande de logement, ça dure une heure, hein, pour scanner les papiers, pour pouvoir avoir le code. Il y a des personnes qui n'ont pas reçu le code de confirmation, donc ça dure un peu longtemps. Voilà. Ah, d'accord.
Ça peut être quelqu'un, voilà. Bah voilà, il est là. Quel? Domazil Colombe, bonjour. Bonjour monsieur. 64-18. 64-18. Non, vous n'avez pas de courrier, monsieur. Voilà, au revoir monsieur. Domazil Colombe, bonjour. Bonjour monsieur. 63-21. 29. 63, 20. Oui, vous avez du courrier, monsieur. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir. Domazil Colombe, bonjour. Je vais très bien, monsieur, et vous? 62-55. 62-55. Non, il n'y a pas de courrier, monsieur. Avec le monsieur, après, s'il y a besoin d'aide. Voilà. Au revoir, monsieur. Nosotros salimos de Colombia en el 2019 por la crisis del país, por la guerra, por la violencia, por la falta de empleo, de oportunidades laborales y educativas, tanto para mí como para mis hijos, por la violencia tanto interna como externa en el país, los problemas que hay con el Estado. Son muchas las problemáticas del país, por las cuales muchos colombianos tenemos que salir de nuestro país y dejar todo atrás y empezar de cero en un nuevo país. No es fácil, aquí hemos tenido dificultades, puesto que a nosotros personalmente nos negaron el asilo. Estamos en espera a ver qué otro método podemos encontrar para poder regularizarnos acá. Por el momento mis hijos están estudiando. Yo estoy estudiando el francés, aquí la asociación Donacil nos ayuda mucho respecto al tema de aprender el idioma francés, hacer la documentación que necesitamos tanto para el colegio de los niños, para poder ir al médico, para poder transportarnos. Todas esas cosas han sido gracias aquí a la asociación Donacil, que nos ha colaborado con todos esos temas. Votre identifiant personnel est bien le 48-GL-60-21. Oui. Pour accéder au service souhaité, il vous suffit d'exprimer naturellement la raison de votre appel. Quelle est votre demande? La création de compte en ligne. Nous vous mettons en relation avec le service concerné. Tous nos conseillers sont actuellement en ligne. Votre temps d'attente est estimé à moins de 2 minutes. Nous vous rappelons que vous avez également la possibilité d'effectuer vos demandes directement depuis votre espace client MySwissLife. Il a jamais se connecté sur... Grâce à votre espace client MySwissLife. Juste un instant, il n'a jamais se connecté sur le site online. Et donc il a besoin de créer son compte. Et il a besoin du mot de passe. Mais il semble que ce n'est pas possible sans appeler. Sans voir. Bonjour madame, nous avons déjà appelé parce qu'on doit créer le compte en ligne. Et donc on n'a pas de mot de passe. D'accord. Vous avez un identifiant personnel oui. à me communiquer? Oui. C'est 48-GL-60-21. Accès au dossier. Monsieur Poussin Anvar.
Seine à Noir. Ouais. Très bien. Vous avez mis le numéro à la fin. C'était Anne, non? Ok, je vais l'aider. Merci. Sur les deux documents, sur l'imprimé et... L'important, c'est que je vous rappelle le mot de passe maintenant. Peut-être que vous pouvez le dire ici, pour votre convenience. On écrit une lettre au Père Noël. Ça marche. Les vœux qu'on souhaite, qui changent. Un peu tôt encore. Hein? Alors, pour faciliter le droit des migrants, il faudrait faciliter leur accès au site en ligne sur Internet. J'ai osé quand même une deuxième phrase. Savoir se mettre à leur place. Ça, c'est plus générique. Avoir un système de procédure fluide, oui. Complet et cohérent. Les respecter, les accueillir, les accompagner. Voilà. Merci. Là, on vous demande d'écrire, non pas une idée, mais plutôt une lettre, un petit paragraphe. On va se laisser 15 minutes pour ça. C'est à la fois long et à la fois, vous verrez, ça passe aussi très vite. Et pareil, pour vous orienter, pour vous aider, on vous propose de commencer par cette phrase. Donc vous pouvez peut-être l'écrire. Donc c'est une lettre qui commence par « À toi, mon frère tenté par le rejet de l'étranger. » À toi, mon frère tenté par le rejet de l'étranger. Pourquoi mon frère ? Alors, j'ai envie de dire en termes universels, c'est-à-dire... Les frères et les sœurs. Toujours les hommes d'abord, les hommes d'abord. Mais c'est une très bonne remarque. À toi, mon frère, tenté par le rejet, ma sœur, tenté par le l'étranger, il ne faut pas avoir peur du grand remplacement dont on nous rebat les oreilles. L'étranger doit être considéré comme une ouverture sur le monde et un enrichissement, culturel en tout cas. Et enfin, il faut se souvenir que l'étranger ne vient pas pour le plaisir en général, il vient soit pour des raisons... Il a quitté son pays, il a quitté sa culture, c'est pas pour le plaisir ou pour nous embêter, c'est en général pour des raisons soit économiques, soit politiques. Sur la suite de la phrase, à toi, mon frère tenté par le rejet de l'étranger, regarde la personne qui est devant le pain, regarde ceux qui font que la ville est propre et que tes poubelles sont vidées, regarde aussi le regard de celui que tu croises dans la rue, demande-toi aussi d'où venait le grand-père de ton grand-père et comment il a vécu son arrivée en France. Tu aimes le jazz, la peinture moderne, les bijoux, bah tant mieux, mais d'où ça vient ? Mmh. Très bien. Bravo. Un bon scénariste. Oui. La France d'avant et la France de maintenant, c'est deux mondes différents. Avant, ils acceptaient plus facilement les étrangers, maintenant c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai entendu des personnes à la préfecture, oui, ils viennent nous piquer notre argent. Mais non, le monsieur, il travaille. Il y en a qui sont sans papier, qui travaillent, qui sont exploités même. Je suis à ma porte. Marine Barraine. Ouf, permanence de malade. Les cris, cris. Oh là, je vais voir. Je vais voir. Et voilà, on descend un peu, on descend. Parce que moi j'ai un peu perdu sur le mat, des ans. J'ai parti du Sénégal, passé vers la Russie, Moscou. J'ai fait quelques semaines là-bas. Du Sénégal à la Russie, comment tu fais pour. Comment t'as fait pour y aller? J'ai pris l'avion en vol. Okay. J'ai passé vers Turquie, 30 minutes d'escale, après j'ai reparti à Moscou. Okay. J'étais en Allemagne pendant un an, c'est toujours compliqué. Par rapport à la langue allemande, apprendre, c'est difficile. Et voilà. Et je me suis. J'ai quitté l'Allemagne, j'ai revenu en Belgique. J'ai fait une semaine là-bas aussi en Belgique. J'ai vu que c'est plus mieux encore en France. Je suis arrivé en France. Une fois arrivé en France, je connais personne ici en France. Tout ça en combien d'années? En
Tout ça, ça a été duré à de peu près deux ans. De Turquie en France, deux ça ans. Ça a à peu près deux ans, parce que c'est en 2015 que je suis arrivé là-bas. Et 2016, je suis rentré en France. Okay. 24 juin 2016. Et je ne connais personne en France. J'ai parti sur le France Terre d'Asile. Ils m'ont orienté pour le Sequoia de Nanterre. D'accord, et là tu as obtenu le statut de réfugié. Voilà, et là j'ai fait le procédure de refuser tout ça. J'ai été rejeté une fois, deux fois, non, une fois au tribunal et une fois au FRA. Au FRA après, CNDA. Voilà, après CNDA. Et CNDA, maintenant j'ai obtenu. Okay. Une fois que j'ai obtenu, ils m'ont donné une adresse ici pour demander si je peux trouver domiciliation à ces domaciles. Mmh. Et voilà, je suis revenu ici en domicile pour demander ta adresse. Ils m'ont accepté. Mmh. Et pendant tout ce temps-là, j'étais ici, ça a été compliqué. Par rapport à la demande de la carte séjour, j'ai attendu deux ans, j'étais bloqué par la préfecture, c'était toujours compliqué. Mmh. Et voilà, donc vous connaissez, chaque fois on fait le démarche ici, j'ai failli pleurer. Petit de voyage que tu attends. Voilà, j'ai attendu un an après mon statut, j'ai attendu un an sans récépissé. Mmh. Mon entreprise, ils m'ont failli virer parce que je suis en alternance, je fais une semaine à l'entreprise, une semaine à l'école. Okay. Ils m'ont failli virer à cause des récépissés parce que les récépissés étaient déjà expirés pendant un an par rapport au moment de Covid. On a fait combien de fois la demande de respirer ici, ils m'ont dit 15 jours, j'ai reçu rien du tout. Mmh. Après j'ai saisi à l'avocat, on a contacté la préfecture, c'était dur, mais au final ils m'ont donné ma carte de 10 ans, et j'ai obtenu. Et grâce à ça, une fois que j'ai obtenu, je suis toujours à l'école pour essayer d'obtenir un titre, un diplôme. Même d'accord. C'est un petit CAP électrotechnique, j'ai fait 2 ans d'alternance pour obtenir ça. Et quand j'ai obtenu ça maintenant, actuellement aujourd'hui, je me suis intégré. J'ai en train de m'intégrer sur le marché du travail, comme certaines entreprises SNCF ou RATP. J'ai déjà travaillé RATP pendant mon alternance aussi, en sous-traitant des RATP, mmh. et voilà, dans le domaine de l'électricité. Et voilà. Donc je peux vous dire aujourd'hui, c'est grâce à Domazil, tout va bien, même si c'était dur le moment passé. Mais maintenant, au niveau du logement, là, je parle du travail, au niveau du logement, depuis que tu as arrivé au niveau de logement, au niveau de logement, c'était toujours dur parce que j'étais à gauche, à droite, je ne sais même pas là où je vais habiter. En même temps, entre-temps, j'ai demandé le demande de logement social ici. Vous vous rappelez, quand on a obtenu le numéro, j'ai renouvelé pendant deux fois, trois fois comme ça après. Mmh. En un bon jour, ils m'ont envoyé un message soi-disant qu'ils ont un logement pour moi à Colombe. Je ne savais même pas, ça m'a très mensonge. Et la suite, j'ai parti visiter et j'ai l'appris. En ce moment, j'ai en train de travailler. J'ai travaillé dans l'alternance à l'école. Okay. Grâce à Domazil, je peux dire tout ça vient, c'est Domazil, tout ça. Si tu as vu plus de 5 ans, je suis là maintenant, ou 6 ans, je pense. C'est grâce à Domazil et surtout France Terre d'Asile, Qualia de Nanterre aussi. Ok. Ouais. C'est cours catholique. Je vous remercie à tous. Et voilà. Vous avez fait une demande de carte de séjour ? Ah, c'est ça. Spicer demande de carte de séjour. Problème, car c'est tout. Oui, mais vous avez, ils vous ont donné, en attendant, ils vous ont donné un récépissé. Oui, pas l'OFPRA. Ça, c'est les décisions de l'OFPRA. Oui, aujourd'hui. Bah, vous êtes reconnu réfugié auprès de l'OFPRA. Bah, vous n'avez rien à craindre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, vous avez eu même l'acte de naissance. Ça, c'est parfait. Ah oui, je vais l'envoyer à la CAF aussi. Hein. Oui. Voilà, je vous laisse ça et je vais envoyer ça et ça à la CAF. Voilà. Et demain, quand vous partez à votre rendez-vous, ramenez ça aussi avec vous et votre récépissé et tout. Rendez-vous à la CAF. Et là, on met sur le site directement. Ah non, madame, il n'y a pas d'eau. Y a pas. Je vais voir par téléphone s'il peut vous appeler. Vous les recevez par téléphone. Deux téléphones, non, par les français. Ouais, c'est ça, ma petite fille française. Ouais. La matrouha, donc, tout est fermé. Tout est fermé. Tout est fermé. Même moi, ils ne vont pas me prendre. Même Anna, je ne vais pas me prendre. Je vais vous dire que je vais vous rendre de moi. Mais عشان هاي بتاعك شوفي اسمك سادية محمد oui. Donc là sur ton compte j'essaie de prendre rendez-vous هما بيعرفوا انك انت بدك تاخذ غير rendez-vous فاهمة oui. بس ما بيقبلوا فاهمة OK فهمتيني merci de rien madame désolée hein. On a c'est envoyé déjà on a envoyé le votre récépissé ainsi que les papiers que l'extrait de naissance انا بعثناهم راح نستنى الجواب اوكي بعثنا الاوراق راح نستنى الجواب تاع لا كاف ايوه بعثنا الريسيبي سي تاعك وبعثنا الاكستري دو نيسونس اوكي بعد
Excusez-vous là. Un, deux, trois. Voilà. Merci. C'est quoi ça? Ça, aujourd'hui, c'est pas directement chez Damien. Non, vous n'avez pas de courrier 65. Non, vous n'avez pas de courrier 65-55, il n'y a pas de courrier. My desk paper is everything is okay or is not okay. I'm not sure if your company have paid to you know, the taxes for you for the period before, because for 6 months they have definitely paid because you are declared. But here I see that there are actually no wage, nothing here. Yes. So I'm not sure that this is something that I can check. So what can I do now? I'm not sure. We need to check if you are eligible to chômage. It's not. We can check it after there with my colleague. Who? You know that Manuel. Girl? Yeah, we can check it after. D'accord. Let's start with the Sécurité Sociale. Yes. And after we will check it, okay? Okay, no problem. Anaïs, ça va nous donner notre salaire aujourd'hui. Non, je voulais juste faire un point avec vous pour au sujet des orientations régionales. Je ne sais pas si vous, tout le monde voit ce que c'est. Donc c'était dans le schéma national qui a été déployé en 2021 et 2021-2022, on va avoir de plus en plus de cas, c'est-à-dire au moment de l'enregistrement de la demande d'asile. Ils vont donc avoir un récépissé, par exemple préfecture des Hauts-de-Seine, et ils vont voir l'officier qui leur dit bah, « nous, vous êtes orienté à Besançon ». Sauf que du coup, là, tout leur dossier est transféré à Besançon, c'est-à-dire et la préfecture et l'office. Donc, plusieurs cas de figure. Il y a le, en gros, pour que vous ayez en tête, c'est soit la personne, effectivement, elle a accepté lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, donc elle a accepté d'être orientée, elle a 5 jours pour s'y présenter. Si elle ne se présente pas là-bas dans les 5 jours, on lui coupe toutes ses conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire l'hébergement, la location, etc. Là-bas, à Besançon. Donc là, commence un peu le... Voilà, et c'est assez galère. Donc il y a beaucoup de personnes qui acceptent et qui ne comprennent pas forcément et qui, du coup, doivent, par exemple, envoyer leur dossier OFPRA et qui ne sont pas allés là-bas et qui n'ont pas d'adresse. Nous, notre adresse, elle ne permet pas de renouveler votre droit au séjour. Il vous faut un droit au séjour pour avoir la sécurité sociale, pour avoir la solidarité transport, etc. Donc d'abord, on va essayer de voir si on peut vous trouver une adresse en SPADA. Et si on ne peut pas, on vous domiciliera chez nous. Les personnes qui ont des rendez-vous. There's a lot of problem in Somalia because Somalia at this moment is not a safe. It's not a safe country. It's not a safe country, and there's not a good government to protect yourself. Yes, that's why I came for France and to get the refugee status. I'm waiting for the birth certificate, something like that, 8 months or 10 months, because it is too long to obtain in France a birth certificate. Sometimes it will be takes 1 year or more than 1 year. Yes, it's mainly because you don't have a passport or... I don't have a passport. Yes. And I don't have another thing, because it's not only for me, but it's all Somali people who is need to obtain certificate in France, or to need who to be satisfied that they are come from in Somalia, because their passport sometimes they will be left in the sea or they will left in the other place. So any application you are introducing is longer than expected. Yes, but I'm Somali and I speak a Somali language and I have known the Somali history. So this is the identity that I was come from Somalia. Of course. Okay, you came here directly from Somalia? Yes. I'm not coming here for directly from Somalia. I was come in
Somalia, Mogadishu. Okay. Mogadishu is the capital of Somalia. Yes. And I'm going to the Turkey. Oh, yes. And after Turkey, I was living in Turkey maybe 6 months, something like that, five months. And I was crossing for the border between Turkey and the Greece. Yeah. I was working in 5 days, six days, something like that. Okay. And I was come from the Greece, from the Greece Athens, to here for the direct. Okay. Your first name is Mohammed, right? Yes. Domicile is very important because there is a lot of people who cannot have an address, of course. Who cannot obtain the way they send the letters. I think that without a domicile, it will be difficult to live in France and to work. And to find a job, there's a lot of problem. But yes. When you have a domicile, it's good. Yes. It in other way in the CMU, in the other way with the CAF, in the other way with the OFRA, yes. in every kind, it is good. I can say the person that who make association for this domicile is a good person and an intelligent person. Ahmed? That Ahmed? Ali, in English, Ali, A-L-I. 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 E-I-D. Faut venir jeudi, là. Là, c'est la dernière et on va fermer, là. Excuse-moi. Jeudi, t'inquiète. Non, vous venez d'arriver. Vous venez à 5h-10. Donc, it's online. Okay. Online, okay. Yes. Okay. I have done the request. Okay. And I think that your personal information is registered on the OFPRA website. Okay. So right now we just need to wait until they gave you the documents, the birth certificate. Mm. Oh, d'accord. Ça s'est rempli. Alors vous êtes hébergé. Où vous vivez? Où vous dormez, monsieur? Vous n'avez pas de logement? On va dire que vous n'avez pas de logement. Hacharat. Ok. Hacharat. Il y a des moustiques, il y a des trucs. Hacharat, putain, le mabr, il y a le cuisine. Ah, d'accord, des puces. Des hacharat, les petites pousses. Ok, ça s'en suit. Qui fait preuve de. C'est ouvert? Écoutez. لكن هم يتصلون هذاك يتصلون امي يعني مش يتصلون راح يبعثوا لك كوريه اوكي هذا مشان تصل ب 24 ساعه وبنعرف بانه راح توصل بتستنى ل 2 شهور لشهرين اذا ما بيجاوبوا راح تتصل على هالنمرو Mais alors, du coup, vous parlez quelle langue là? Alors, on parle l'arabe littéraire, la langue de l'islam. D'accord. La langue du Coran que tous les musulmans ils comprennent. D'accord. Voilà. Il y a l'arabe normal, des Algériens, Égyptiens, ouais. Chaque pays il a une langue. Mais il y a l'arabe littéraire qu'on parle avec tous les musulmans. L'arabe du Coran. Du Coran, exact. Et vous parlez aussi? You speak also? Yes, I speak Arabic. So, how many languages do you speak? I speak Arabic, I speak English, and I speak a little Italian. Italian. My French is Ambo Ambo. Je dors pas la nuit. Je dors pas la nuit en raison de bruit. Des gens saoulés, ça m'empêche de vivre en tranquillité. Et je signale que
des puces, de nuit, de lit et des cafards, c'est ça? Cafards. حشرات كفار بخوش هذاك صغيور كفار شو اسمه كفار شو اسمه بالعربية والله لا أدري صراصير كده صراصير أوكي صراصير بس سالي كفار merci de bien vouloir prendre ma merci de prendre ma demande demande en SMS ou email de la préfecture. Parfait. Commission. Commission. De, j'ai, je, jour. Un, an. Descendez vos masques. En. Un, très bien. Une, okay. une, regarde ma bouche. Une, où habitez-vous? Nia, d'où venez-vous? Je viens à Georgie. Non. D'où venez-vous? Je viens de Georgie. Je viens de Georgie. Et vous, Laura, d'où venez-vous? Je venais de Bulgarie et j'habite à Colombes. À Colombes, en France. En France. D'accord. Est-ce que vous connaissez tous ces métiers? Le Maçon. Le plombier. Plombier. Le plombier. Je cherche. Aussi. Un emploi. De garde d'enfants. Bonjour, ma mère. Bonjour, madame Florence. Florence, oui. Ça va? Comment allez-vous? Ça va bien. Très bien. D'où venez-vous? De quel pays venez-vous? Okay. Moi, la Somalie. Je viens de Somalie. Je viens de Somalie. D'où venez-vous? D'où venez-vous? Je viens. Regardez. D'où venez-vous? Je viens du Sri Lanka. Je viens du Sri Lanka. Comment t'appelles-tu? What's your name? Comment t'appelles-tu? Non, pas d'anglais ici. Si. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Kandarubi. Je m'appelle Kandarubi. Alors, d'autres questions quand on se présente. Je suis célibataire ou le contraire, je suis... Avez-vous des enfants? Oui. Il y a. Non, j'ai. Je viens de enfants. Une, un, deux, trente, un. Cent. D'accord. Enfants. J'ai un enfant. Merci. C'est fini. Vous avez un contrat de travail, travailler, des fiches de paye. Vous me donnez les trois dernières fiches de paye, on va dire décembre 2021, janvier, février, s'il vous plaît. Tu envoies un mail? Oui, vous pouvez m'envoyer le mail à cette adresse email. Merci. Vous êtes rentré en 2018? Oui. D'accord, bah vous avez le droit à la carte, monsieur, tant que vous avez une carte de résidence.
paiement des logements ne correspond à cette saisie. Non, belle. Ils n'ont pas pris en compte votre demande. Alors, je suis en train de faire une demande de logement pour M. Chaudhry avec sa femme et sa fille pour avoir un logement. Et dans cette demande de logement, il faut fournir toute pièce justificative de travail, contrat, de CAF. Et pour avoir un logement, c'est un renouvellement. Il faut qu'il fasse chaque année. Chaque année, il doit renouveler sa demande. Ben, c'est ça ce qu'il est en train de faire. Je suis en train de scanner ça par la scanneuse pour faire une demande en ligne. Comme ça, ça lui permet de la faire chaque année, ça lui permet de renouveler. Pardon, le logiciel il marche plus, comme vous avez vu. Impossible de traiter cette demande via demande de logement. Et j'ai enregistré et scanné votre titre de séjour de votre carte. Et enregistré. On a créé la demande. Je vais continuer à faire ça après parce que là, je ne peux pas être bloqué avec vous, votre personne. Je vais tout prendre et vous donnez-moi votre numéro de téléphone et votre adresse email. Vous pouvez me l'écrire et je vais vous appeler comme ça. Je finis la demande avec vous au téléphone. Parfait. D'accord. Ça, c'est le mot de passe. Yes. Pouvez revenir jeudi matin. Jeudi matin. Ouais. Ok. On va tout faire après. Alors, la CAF, c'est bon. La CAF, c'est fini. La CAF, c'est fini. Si regardez si vous avez reçu le message de. Non, pas encore. C'est la personne autour. Ok. Merci. C'est gentil. Allez, salut, à jeudi. Parfait.